Quoi, les... Comment on appelle ça? Les héléniques? Pourquoi pas? J'avoue que j'en sais rien, je connais pas. Il faut voir après à quel point c'est possible. Il nous faut des bons... il nous faut des bons commandants, par contre. Ça serait vraiment bien. On en a un, mais malheureusement, ils peuvent pas se battre pour une raison que j'ignore. Toi, bon, t'es imprévisible, mais t'es pas mauvais. On va quand même essayer. Toi, t'es quoi? T'es un chasseur, ok. Tu as quoi? Modificateur de combat, poursuite. Ouais, t'es pas mal non plus. Et encore ici... Y a personne qui a des traits, hein. Non, toi, tu feras l'affaire. Ok, alors, du coup, ici, je pense que c'est correct. Ici, on devrait mettre le meilleur possible. Mais il est imprévisible. Imprévisible, ça veut dire qu'il va changer plus facilement sa tactique, si je me trompe pas. Je crois que c'est pas terrible. On va quand même lui tenter de lui donner sa chance. Et ici, on va mettre celui-là. Voilà, donc on a des bons commandants. Ils sont pas exceptionnels, mais ils sont bons. J'imagine comment Astrid doit se sentir. Comme si ne pas pouvoir déclarer publiquement nos sentiments l'un pour l'autre ne suffisait pas. Elle doit maintenant mentir au sujet du fruit de notre amour. Je dois lui rendre visite. Sera certainement content de recevoir la visite de son bien-aimé. Astrid obtient un réconfort avec les effets suivants. Santé plus 0,75. Ok. Pas de problème. Vous voyez, typiquement, lui, il prend de l'attrition. À 290 troupes, il prend de l'attrition. Je vous laisse imaginer. Les 4500 troupes, ici. Voilà, on prend déjà de l'attrition ici. Ça, c'est l'attrition hivernale, j'imagine. Ouais, on est en novembre, en Russie. Le temps qu'on arrive à Perm, à mon avis, ça va être la cata, hein. Mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. J'ai présenté le chef Saka de Vladimir à Vutelevi-Ruma, espérant qu'il puisse bien s'entendre, mais apparemment, le chef Saksa de Vladimir ne souhaite pas... On s'en fout. C'est vraiment le genre d'événement... Votre devin s'est fait surprendre en train d'extorquer les pauvres gens. C'est intolérable. Il perd 50 de prestige, il perd 50 de piété. Et il est plus devin. Ok. Ils sont pas très très bons, mes personnages. Mais toi, tu vas pouvoir devenir devin, tu m'aimes bien. Nickel. Qu'est-ce qu'il fait, le devin? Il reste là, je pense que c'est correct. On est toujours en train d'essayer de tuer le mec. Il n'y a rien de particulier qui se passe. On peut soudoyer un mec. Ça nous ferait arriver à 130%. Mais on perdait quand même... Bon, on a plein d'argent, cela dit. Je sais pas pourquoi on a eu plein d'argent. Un héritage, certainement, que j'ai pas vu. On peut, hein, si on lui envoie un cadeau, on peut arriver à 130%. Il faudrait arriver à 150. 130%, ça va pas faire grand-chose. On n'y arrive pas. Mais c'est déjà une première étape, me direz-vous. Combien je dois te prendre pour t'envoyer un cadeau? C'est 15. Ouais, ça peut faire. On donnait naissance à leur fille Asta. Apparemment, j'ai engendré un enfant illégitime. Asta est mon portrait craché. Qu'on légitimise l'enfant. Non, je reconnais l'enfant. Mais c'est officiellement votre fille. Je ne reconnais pas l'enfant. On va la reconnaître. Elle nous déteste. Elle nous déteste, de toute façon. On s'en fout. On la reconnaît. Enfin, on la reconnaît pas, mais on... Enfin, si, on la reconnaît, mais on la légitimise pas. Ce qui veut dire que, théoriquement, je peux la légitimiser par la suite. Mais bon, c'est une fille, donc ça sert à rien, mais... A priori... Ouais, je peux la légitimer, c'est ça le deal. Ok, on peut prendre des techs... Alors, très bien, on peut prendre les techs ici d'infrastructure, donc les progrès économiques, pourquoi pas. Alors, pratique commerciale, nous apporte quoi? Valeur commerciale plus 1.5, limite de comptoir, moins 1.3, ok. Ok. Les donjons améliorés nous apportent quoi? Déverrouille des bâtiments, ça nous apporte rien. Cité et temple nous apporte quoi? Impôt citade, impôt religieux, je suis pas sûr que ça nous apporte grand-chose. Infrastructure noble, impôt noble. Ok. Si je prends la construction. Construction navale, on a déjà fait ce qu'on voulait, hein. Je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin. On va monter les autres trucs, on va monter tout ça, simplement. Puis voilà, on verra bien. On verra bien, Ribob. Ça m'intéresse justement de voir ça. Un jeune et talentueux artiste de Kalevan se propose de faire le portrait iconique du roi Kaupo, point de pierre. Ouais. Yep. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup dans cette bataille? On a que 1000 troupes de plus. Mais on a 25%. Je suis en pause, pardon. On a quand même 25% de troupes en plus. Pas bon, la bataille. On voit qu'on se fait déjà complètement défoncer au milieu. En tout cas, ouais, on se fait complètement en route au milieu.
Sur le côté, on devrait pouvoir s'en sortir. Non, c'est complètement juste. Effectivement, on n'a aucune chance. On va essayer d'aller chercher une paix blanche, ou je ne sais quoi. On peut pas, on est obligé de se rendre. Ouais, ça va faire perdre quoi, 150 de prestige et du pognon. Ouais. C'est embêtant, hein. C'est embêtant. Je sais pas s'ils vont prendre de l'attrition s'ils viennent chez nous. S'ils prennent de l'attrition en venant chez nous, on peut peut-être essayer. Ou alors essayer, j'en sais rien, de pas se battre, quoi. Puis simplement d'essayer de faire le siège, des trucs. Pendant que eux vont chez nous. Hein, si on est un peu... si on essaie de passer un peu en loose day, comme ça. Lire le livre... la chasse, on va dire. Prendre l'attrition ici aussi. On va essayer d'aller dans cette direction. Et bon, faisons de la poésie, alors. C'est beaucoup trop dangereux. Voilà, ils sont par là. Ok, on va quand même essayer d'aller prendre peur. Je sais pas si ça passe, hein, honnêtement. Parce que là, ils vont pouvoir aller assiéger notre capitale. C'est même éventuellement dangereux, quoi. C'est ça le problème. Ouais, ils vont pouvoir aller c'est nettement plus vite que nous, on pourra assiéger quoi que ce soit. Ouais. À mon avis, ça vaut pas la peine de risquer de se faire capturer pour ça. Je vois qu'en prenant de l'âge, Aone pourrait mettre à profit mon expertise dans certains domaines. La tâche sera ardue et ingrate, mais c'est la seule occasion de donner de ma personne pour Aone. Elle mérite la grandeur qu'elle l'obtienne. C'est ma fille. Ma nièce. Non. Non, non, on la prend par elle-même, je m'en fous. Ok, bon. Ils vont prendre notre capital avant qu'on puisse prendre quoi que ce soit. On est obligé d'arrêter cette guerre. Très bien. Ok. Et donc du coup pour réformer la foi. Voilà voilà voilà. Riazan c'est la même chose, hein, ça appartient à. C'est même pire en fait à voir. Sinon ça appartient à lui. Hein. Bon, je peux pas pour déclarer la guerre. Lui a moins de troupes. Ouais, lui a passablement moins de troupes actuellement parce qu'il est dans une guerre. Ça aurait pu être intéressant d'essayer d'aller prendre Riazan par contre. Donc du coup, il faut qu'on trouve d'autres moyens d'obtenir ce pouvoir. Pour ça, il nous faut quoi? Il nous faut piller des temples d'infidèles. Et réussir des conquêtes de comté. Ok. Le problème, c'est qu'on n'est pas très proche d'infidèles, non? Voyons voir. Eh bien que, lui, c'est un infidèle. Donc ici, ça pourrait être intéressant aussi. Bon, on va revenir avec nos troupes déjà. On verra si on peut déclarer des guerres, des choses comme ça. C'est vrai qu'on peut essayer de tuer les fils, les gars. Ouais, on va le faire enterrer dans le jardin, on est pas un ouf. Hein. Ok. Mais bon, moi j'aimerais bien continuer à tuer le gars que je suis en train d'essayer de tuer. Ma femme est enceinte. Ouais, c'est ma chance. Quelle chance. Donc on peut pas faire d'empire, on va perdre notre royaume et on peut pas réformer la foi. C'est pas top hein, pour le moment. Toi, tu n'as pas d'intérêt d'enfance. Alors, mettons un intérêt d'enfance à notre fille. En étiquette, ça a l'air très bien. Nickel. Ok. Alors. Un siège au conseil, revendication du titre, combattre le titre grande chefferie. Ouais, mais bon, il y a trop de négatifs. Bon, vous voyez qu'on en a perdu quand même une bonne partie de ces trucs. On va, d'ailleurs, on peut changer maintenant d'orientation de ça, donc on va faire ça. Ok, et on va voir. Bon, déjà, ensuite, on peut faire aussi ça. Et on va voir ce qu'on peut faire du côté de. Je voulais voir. Alors, toi.
Ça fait un moment que j'ai pas regardé ce que tu fais dans la vie. T'as toujours tes 5700 trucs. Donc ça, c'est aussi le gros truc à flip. Hein. Et toi, si je décide de te déclarer la guerre, je peux faire quoi? Conquête. Bah, ce serait typiquement une conquête de comté hein, qui augmenterait notre autorité pendant 20 ans. Avant ça, on pourrait éventuellement te piller. Ouais, t'as trop de monde, beaucoup trop de monde. Ouais, t'as beaucoup trop de monde. Mais on pourrait éventuellement essayer de te prendre un truc là, comme ça. Sinon, en ce qui concerne le pillage, on pensait à ça notamment. Ça, tu fais partie de quoi? Tu fais partie de ce seigneur là, qui a 730 troupes. Ok, donc on pourrait essayer d'aller piller ça avec notre escorte par exemple. Bon, notre escorte actuellement est pas top, mais on pourrait faire plus que juste notre escorte, pourquoi pas. Nouvel héritier, c'est Clément. Ok, super. Et puis, je voulais voir... Ah oui, je voulais essayer d'aller... devenir ami avec des gens. Donc toi, on essaie de te tuer, donc on va éviter. Je déteste tellement tous ces bêtes, franchement. Bon, toi, je pourrais. Si je te mets au conseil, toi, ça joue. Mais t'es nul partout. Bah, bon. C'est pas grave. On va quand même essayer de te mettre ici. Voilà. Il nous aime bien. Donc on en a un qui nous aime correctement. Bien. Chef de Rome Animi va pas nous aimer. Toi, tu nous aimes pas. On peut pas te donner au moins un titre honorifique. Si, carrément. Maître de l'arc, et ça suffit, tu nous apprécies. Ok. On peut nommer un physicien de la cour, j'avais pas vu. Alors, lui, éventuellement, ouais, pourquoi pas, il est effectivement très bon. Très bien. Ouais, on peut améliorer les comtés, on n'a pas non plus tant d'argent ni de prestige, hein. Donc pour le moment je propose qu'on attende un petit peu, on garde cet argent-là pour pouvoir piller, et puis on regardera après le reste. Ce que j'aimerais faire justement, alors, toi ici, t'as combien de troupes? Voilà, ça suffira amplement, je pense, et surtout avec nos 15 bateaux, de toute façon on n'aura pas trop le choix. What the f... Ah, c'est trop bien. Je disais, c'est bizarre. C'était aussi 15, cela dit. Mais là, ça va être un peu limite. Je pense que ça va être très vite limite. Est-ce que je peux vous mettre dans une flotte? Bon, ça passe. Ok, donc ce qu'on va peut-être faire, c'est arrêter de reprendre ça. Et puis on va aller ici. On va essayer d'aller piller ça. Vous voyez qu'on perd 5 par mois, hein. C'est vraiment très très cher. Essayez d'aller piller ce comté. Ah, ok, qui c'est qui veut devenir le prochain éventuel héritier? Probablement pas, hein, mais... qui veut un nom de personnage? Sinon, je prends le premier arrivé, comme d'hab. Alterine, ça marche. T'es bien conscient que tu seras pas forcément notre protagoniste, hein. On peut pas le déterminer. Le prochain sera Jafari. Tu me rappelles Lilius, si jamais. Nickel. Et on continue notre pillage. Il y a du monde qui commence à s'agglomérer, mais je pense que ça devrait jouer. Victoire, très bien. On pille maintenant le truc. Super. Ah, on a un enfant sans intérêt. Notre fils Clément n'a pas d'intérêt d'éducation. Intéressant, c'est bien les intérêts d'éducation. Alors, ça, y a rien qui va de ce côté-là. On va aller de ce côté-là, je pense. Militaire, je trouve ça fun. Et on va te donner un tuteur qui fonctionne bien, du coup. Paf. Ok, lui, il peut être intéressant. Alors, il est cynique, c'est un peu embêtant, mais il a le sens de la justice. Parano, passion... Et cruel. Mais cruel, c'est pas top, mais globalement, c'est pas mal. Par contre, s'il y en a pas un qui, chez qui on récupérerait un petit peu de la... Non. Hein. Mais c'est trop important, c'est notre héritier potentiel, donc vas-y, de ce côté-là. On ne...
Boulonnement, en plus, c'est même pas un de vous, hein, c'est lui, hein, notre héritier. Je rappelle qu'on est en électif, hein, on n'est pas du tout en... Donc nous, on vote pour le moment pour notre fils, mais il n'y a pas que ça qui entre en jeu, bien sûr. Ouais, c'est vrai que, honnêtement, Clément, quand il sera en âge, je pense que ça jouera, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et puis, je voulais quand même aller manger avec des gens, moi. Bon, on va essayer tous, honnêtement, même lui, pourquoi pas. Invité à faire reboot. Invité au complot, non, invité à faire reboot. Ah, mais genre. Non, lui, c'est celui que j'essaie de tuer. Non, je me disais, j'ai quand même pas invité à faire reboot le gars que j'essaie de tuer. Et qui sait que j'essaie de le tuer. Invité à faire reboot. Tu veux pas venir chez moi manger un truc. Invité, c'est pour à faire reboot. Invité lui à faire reboot. Et toi, tu vas aussi faire reboot. Merci. Voilà. Parfait. Le gars du sud est devenu musulman. Lui, là? Ah oui. Ouais, effectivement. Du coup, ça va sentir la guerre sainte. Mais bon, la guerre sainte, on sera un peu aidé, mais bon. Pas faire grand chose contre lui de toute façon, hein. Encore une fois, en plus ses troupes alliées et vassales potentielles maintenant sont de 10 000, donc à mon avis c'est juste une question de temps avant qu'ils nous défoncent, honnêtement. Je vois pas trop ce que je peux faire. Je peux les tuer en boucle pour éviter qu'ils atteignent l'âge de raison. D'accord, Istipro. Ça a l'air un petit peu d'être du spam ton histoire, mais... Parce qu'actuellement on a de la peine, ouais, bon voilà, plus personne qui veut faire ça. Bon, on va arrêter, puis on va effectivement essayer de tuer un petit peu en boucle le gars là-bas en bas. Ne serait-ce que pour lui faire perdre son duché. Ou pour lui faire un peu... perdre ses... Alors lui, il refuse qu'il perde un ou deux titres peut-être dans le lot, ça peut être pas mal. 93%. On me dit 111 et qu'on s'arrête à 93 du coup. C'est un peu embêtant. Parce que dans le 3, j'aurais peut-être pas fait. On va quand même envoyer un cadeau à lui, peut-être. 15. C'est cher, hein. Je rappelle qu'on perd 5 par mois. Bon, pour le moment, non. On va pas faire ça comme ça. Pour le moment, on va attendre ici. On a un enfant d'intérêt d'éducation. C'est notre nièce, ok. Qui peut être très bien en ça ou en ça. On va plutôt la mettre en ça, du coup. Et on va lui assigner un tuteur. Donc, là. Est-ce que je gagne des points? Je gagne pas des points, donc on s'en fout un peu qui, honnêtement. Celui-là, il y a très bien. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je propose d'arrêter sur les smileys Estipro. Je te remercie. L'un de nos vassaux peut être dissuadé de joindre une faction. Ouais, ouais, on va le menacer, lui, c'est clair. Je m'en note, pardon, bon, c'est bien, hein. Alors, on a rasé la propriété, c'est très très bien. On peut continuer à piller, il n'y a pas tellement de soucis pour le moment. Hein, tant qu'on a cette icône là, ça joue, puis eux, à côté, ils vont, voilà. J'ai vu comment vous tenez les pieds, ce n'est pas joli à voir. La plupart du temps, ils sont oubliés, de quel côté se trouve le tranchant de la lame. Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer de son incompétence. Et à présent, il pense que je peux lui enseigner tout mon savoir. Il gagne, on gagne de l'opinion avec lui, mais on s'en fout un petit peu. L'épée, vous, ça fait 2, d'accord. Je risque ma vie, alors j'aimerais être récompensé. Oui, oui, c'est déjà lui qu'on avait essayé d'arnaquer pour un truc, si je me rappelle bien. Je suis en pause. Ok. Voilà, très bien. Il nous paye 1. Ouais, il est vraiment... c'est vraiment un gars sympa. J'ai trop de troupes. Pourtant, j'ai demandé d'arrêter ça. Ah, ça c'est embêtant ça. Euh...
On va essayer de faire vite. Je vous avoue que je suis hyper convaincu. Monseigneur, j'ai une grande idée de monument à construire. Notre statut culturel en bénéficierait et le peuple serait en admiration devant leur souverain. Pour ce faire, j'aurais besoin d'or. Ok. D'accord, il a une bonne opinion de moi. 28 d'or, on peut essayer, ça peut fonctionner. On a récupéré 20 d'or comme ça, c'est très très bien. Tu vas me chercher vite fait cela maintenant. Los. Ah, on a terminé sa formation, elle est devenue intéressante. C'est bien, c'est qui? C'est ma nièce. Ok. Est-ce que je peux obtenir, j'en sais rien, un pack de non-agression si je la marie avec quelqu'un? Oui, j'obtiens un pack de non-agression. D'accord, ça peut être donc intéressant de l'utiliser pour... mes frères et sœurs, mais je sais pas. Du coup, je sais pas du tout. Bon, je sais pas du tout où elle est, du coup. Je l'ai complètement perdu de vue. Ok, alors, on va revenir de ce côté-là. Que la fête commence. Ouais, super, ok. Très bien, on a réussi à pas perdre de troupes, c'est bien. On va revenir là, on baissera pavillon une fois qu'on sera là-bas. Vous êtes mon meilleur ami. C'est mythique ces trucs. Ok, donc lui on peut en faire quelque chose maintenant. On peut en faire un... On peut lui donner un poste. Maître espion par exemple. Nickel. Et on essaye de tuer un gamin, non? Ouais, on essaye de tuer un gamin. Bah écoute, tu vas aller aider à essayer de tuer le gamin. Pourquoi tu veux... Voilà. Le gars qui voulait être banni a été banni. Et l'Illusibur, tu m'as demandé si j'étais français et avoir le... Ça n'a pas été accepté par le Twitch chat. Je suis pas français, non, je suis suisse. Ouais. Ok, super, les festivités sont terminées. Se cacher. Encore? Alors, toi, tu veux me tuer? Ah ouais. Ah, ouais. Je la comprends un peu, celle-là. Je te demande d'arrêter. T'acceptes. Ben, arrête. Toi, tu veux me tuer? Non, mais... Bon, du coup, je pourrais de nouveau le mettre en prison, hein, si je l'emprisonne. 50%. Ça peut devenir éventuellement intéressant d'essayer. Hein, c'est un 50-50. Duel. Je peux faire un duel contre lui? Non. Je vais lui demander quand même d'arrêter le mettre en complot. Merci. On essaie d'éviter de me tuer, ça m'arrange. Très bien. Et puis, là, alors... Du coup, j'ai trop de monde ici. Alors, ce qu'on va faire premièrement, on va recommencer à faire ça. Ensuite, ça, on va arrêter d'utiliser. Très bien. On a 800 troupes. Ok. Les bateaux, on va pour le moment les mettre à quai. Et effectivement, ça peut être intéressant de continuer un petit peu ces histoires. Maintenant, on en est où? Ouais, 37,5. Enfin, c'est... Ça va être tellement long, quoi. Ça va être débile. Il faut 12,5% encore. Donc, il faut... piller des temples, faut gagner des comtés. T'as 2500 troupes. C'est plus que moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas plus que moi. Mais avec les alliés, ça va devenir compliqué, disons. On va attendre un moment. Ici, bon, toi, on a essayé de te tuer, on n'y arrivait pas. Ok, merci. Très bien. Tentative de meurtre, ouais, bah évidemment. Et on essaie toujours de tuer le gamin, là-bas en bas. On est où? On est à 100% exactement. Ah non, 60%, pardon, autant pour moi. Ok. Ouais, parce que le... Ok, d'accord. Bon, bah tant pis, on va pas y arriver non plus, a priori. Si on repart sur lui, du coup... Oh, je peux pas... C'est quoi ce délire? Ah non, mais je m'en fous de ça.
Il n'y a plus le bouton. Vu qu'il a un complot, je veux plus, moi, avoir un complot contre lui. Je comprends pas. Ok. Bon. L'affronter en duel ferait quoi? Comme indigne de nous, pourquoi? Parce qu'il est dépressif. Bon bref, on va essayer de le tuer quoi. Alors, il y a des gens qui viennent. La question c'est combien sont-ils? Il est tout seul à venir. Ouais, il est tout seul à venir. Ça vaut pas forcément la peine, 50%. C'est possible, hein, mais ce serait compliqué. Alors, toi, on va te mettre un intérêt... le militaire. Allez, papa, ça peut être marrant. Du coup... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre truc que je peux, comme autre temple païen, entre guillemets, que je pourrais piller? Si on reprend les germaniques, on a toujours Uppsala, on a celle-là là, éventuellement. Sealand, mais Sealand c'est sa capitale, oh mec. Ouais, il a pas énormément de troupes, hein, cela dit. Il a quand même troupes des vassaux, 7800. Ouais, bon. No chance. Ok. Ici, on a vu qu'il y avait un temple. Le problème, c'est que le temple... Ah non, ici, il n'y a pas de temple. Il y a un temple dans la région, ici, peut-être. Parce qu'il n'y a pas que les lieux sacrés qui ont des temples. Pas nécessairement, hein. On peut imaginer qu'il y en a d'autres. Nous, on pourrait en faire, par exemple. Danzig a un temple. Et ça appartient à un gars qui n'a pas énormément de moyens, on va dire. Ouais, bon, si. Ah non, mais c'est le gars de... Ok, mais il est loin, quand même. Donc on pourrait peut-être imaginer, en tout cas, arriver à un premier... À un type de quelque chose, quoi. On va essayer... Pourquoi pas. Okay, bon là-dessus. Ensuite, on peut quand même peut-être lever une petite partie des troupes ici. Je pense que ça joue. Hein. Ça ira plus vite, hein, c'est ça, et puis on serait pas complètement stack wipe éventuellement s'ils nous attaquent avec quelque chose. Faut juste pas en avoir plus de 15 000 et puis c'est pas un souci. Ok, donc on va aller, donc c'est, on a dit Danzig. Hein. Let's go. Ok. On contrôle, pour le moment pas de monde. Alors, on nous propose un mariage entre le roi de Pannonie et notre nièce. Pannonie. Lui, là. Ok. Why not? Ok. Ça tombe de troupes, ça va. C'est celui-là qu'il faut qu'on aille, hein. C'est le temple qu'on est en train d'agresser. 1900, ça c'est pas bon par contre. C'est une révolte, mais s'il nous arrive sur la figure, on est obligé de partir. Ok, c'est fait, c'est pillé, parfait. On va juste quand même piller la fin par principe. Et on part dès que... c'est bon, il va dans l'autre sens. Tranquille. Ok. Autre temple. Potentiel. Alors... Bon, malheureusement, ça s'est complètement pris. Chez les féodaux, hein, on doit pouvoir y aller, au pire. Là, il y a un temple. C'est de nouveau chez le gars qui est chez le gars qui est balèze. Et là, c'est vraiment pas très très loin. On peut essayer quand même, hein, cela dit. Ah non. Oui, tout. On va aller là, parce que sinon, on va avoir un bon truc. Le monument promis par le chef est terminé. Lorsqu'il est dévoilé, une statue à votre effigie apparaît devant une foule souriante qui sont presque de vous applaudir. Les mots me manquent. Gain 200 de prestige. Nice. Super. Oh là là là, ouais. Ok, d'accord. T'es en train d'aller. Bon, t'es en train d'aller de l'autre côté. On va voir. Si on te voit arriver là, on se fait la malle. Pour le moment, c'est pas le cas. D'accord. C'est pas forcément une bonne chose, ça, mais. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. D'accord. Ok. Souci, il partirait sur un autre royaume. Pourquoi? Ligne de succession de certains vassaux sont préoccupantes. À leur mort, les titres risquent de passer de votre pays. Non, je pense
pense que c'est juste un bug, là, en l'occurrence. Là, on est en train de piller le... truc. Temple, perd toujours 5. Très bien. Ok. Tout le monde qui arrive là. Ok, c'est fait. Bon, on est toujours en train, on peut piller la fin. Quelle idée splendide. Oh ouais, on va aller se réconforter auprès de notre amante, c'est bien. Forge une alliance. Tu disais avec le mec de Pannoni. Je sais. Pannoni. Pannoni. Bonjour, Pannoni. Je me rappelle, il y a encore quelques mois, t'étais là. Maintenant, t'as disparu. Complètement. Non, sérieusement, il n'y a plus de Pannoni, on est d'accord. C'est le roi de Serbie. Oh. 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 Fancy. Est-ce qu'on peut aller chercher une alliance? Non. Non. On a un pack de non-agression, c'est déjà ça. Je viens de voir le fils de Novgorod avec le titre héritier de Finlande. Ah. Ah ouais, héritier du titre royal de Finlande. Ok, bah ouais. Donc on perdra les deux tiers de notre royaume à notre succession. Ok. Bon, bah tant pis, hein. Ok. On continue dans ce sens-là. Ce qui nous importe, c'est d'essayer de réformer cette religion. J'aimerais vraiment bien. On est à 39%. C'est long, c'est problématique, mais on peut peut-être essayer encore. Alors, là, il n'y a pas de temple. Ici, on l'a fait déjà. Il s'est fait démonter, d'ailleurs. Il n'y a plus de temple. Ici, il n'y a pas de temple. Ici, il n'y a pas de temple. Ici, il n'y a pas de temple. Temple, pas de temple, pas de temple. Pas de temple. Il n'y a pas de temple, pas de temple. Là non plus. Ici, il y en a un, mais c'est quand même sa capitale, au mec. Donc je doute vraiment qu'il nous laisse l'assiéger. Là, il y en aurait un. On peut essayer de tenter, hein, spawner. On va aller là, quand même. Nouvel héritier. D'accord, ok. What? Ah, lui! Oh, ouais, bon, ça fait. Alors, ouais, non, en fait, t'as du monde là, d'accord. Mais par contre, toi, du coup, t'es en guerre contre... Non, t'es pas en guerre contre... T'es dans mon pacte défensif contre ceux-là. Ici, c'est... C'est le même. Oh, c'est le même, sérieusement. Dites sérieux. C'est carrément le même. Ok. Là, il y a un temple. On peut essayer. Bon, je vous propose d'aller à Kattegat. Ok, porte mon enfant, super. Et on va plutôt essayer Kattegat parce qu'ici il y a du monde, on va voir ce que ça donne. Oui, 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 nouvel héritier, tout ça, tout ça. Prêt à partir au cas où. C'est très très long. Je pense que ça va être très très compliqué d'aller la faire celle-là. Ouais. En revenant d'un petit village avec ma garde personnelle, j'ai discuté avec New et il ne comprend pas l'envie d'aventure, quelle qu'elle soit. Qu'en est-il de la prospérité que cela apporte à votre tribu? Dis-je en montrant un nouveau bracelet décorant mon bras. Il soupire, apparemment pas impressionné. Je pourrais vous aider à avoir plus d'ambition. Je gagne 50 de renommée. Oui? Bah oui. D'ailleurs, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, on doit pouvoir gentiment monter. Parfait. Nijka a refusé mon offre, nous devons ne pas être une œuvre de charité. Si mes compétences sont suffisantes à ses yeux, que puis-je pour intervenir? Quel ingrat j'ai apporté ma collection de sceaux? Une intense rivalité entre moi et ce gars random qui est un sujet d'un sujet d'un sujet d'un gars que je connais pas. On s'en fout, on n'a pas besoin de devenir rival non plus. Ok. Oui, j'ai un nouvel héritier. Ok. Merci. Ok, on va pouvoir... bon, on a pillé le premier truc, maintenant c'est celui-là qu'il faut piller. Ça pop, il y a des troupes autour de nous. Pour le moment, ils nous viennent plutôt dans une guerre qu'ils sont en train de mener, donc ça nous va. On peut... Bon, des faibles revendications, on perd toujours plein d'argent, mais on pille. En pillant la propriété, un de vos hommes a trouvé une étrange clé forgée dans un métal inconnu. Les éléments ont remarqué que ce métal ressemble au mystérieux coffre. Regardons si c'est la bonne clé. La clé entre dans la serrure et, tremblant d'excitation, vous ouvrez lentement le coffre. Entre grande déception, oh, vous ne trouvez que de vieux parchemins poussiéreux qui s'effritent sous vos mains. Quel que soit le savoir qu'il renfermait, celui-ci est perdu à jamais. Eh ben, on a bien fait d'attendre tout ce temps pour ça. Ok, on a pris ça. Très bien, on n'était pas en pause, ok. D'autres temples dans la région? Actuellement 40.5. On avance, hein, on avance. On pourra faire peut-être une ou deux conquêtes de comté aussi. On peut aller voir par là, ici.
Nidaros, Nidaros, bien sûr, Nidaros, c'est évident. Je pense que Nidaros, ce sera très très bien, donc on va tout de suite aller à Nidaros. Ça nous coûte un bras, hein, par contre, ça c'est clair, mais je pense que ça devrait jouer. Ok, alors t'as quoi ici? C'est 5500 hommes. Bon, ben, faudra faire avec, ma foi. Pas idéal, mais c'est pas grave non plus. Katharina a terminé sa formation. Ok, super. Voilà, qui a été fait. Elle conviendrait à un sacrifice à Uko. Ouais. Et on peut peut-être revendre des prisonniers. Ouais, c'est bien. On demande 6 pièces d'or, ça passerait bien maintenant. Oulala, pardon, ça fait un moment... J'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de discussions. Je pense que Crusader King, ça motive un peu plus à proposer des trucs, c'est cool. Donc j'ai un peu de retard, pardon, sur le chat. Hein. La Serbie a formé l'Empire des Cartes, ça se pourrait bien, ouais, ouais, ouais. Croisade des enfants, pourquoi pas. Est-ce que j'ai une mission? Ah, j'ai même pas regardé, ça fait un moment que j'ai pas regardé. Mais oui, en plus, carrément, je dois piller Tukums. Il faut que je fasse après, bien vu. J'ai complètement skippé ça. Et d'ailleurs, on peut regarder hein, ce qu'on peut faire à ce niveau-là. On peut faire quoi? Inspirer des guerriers, faire un sacrifice de guerre, convoquer des guerriers de pour. Ok, on sait jamais, on va garder pour le moment. Tout ça, ça nous demande des points, donc on va les garder pour après. Et le Saint-Empire... Ah ouais, le Saint-Empire a bouffé la France, quand même. Moi, j'ai souvent trouvé, en tout cas avant Holy Fury, que les... Astrid est morte. Oh. Oh. J'ai souvent trouvé que les musulmans étaient nettement plus forts que les chrétiens. C'était souvent ça se faisait islamiser la région européenne ici. Là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Les Oumayades ont quand même pris un petit peu de terrain, mais le Saint-Empire devrait leur poser suffisamment de résistance pour que ça se reproduise pas trop de ce côté-là. Continuons à hein, piller toutes ces histoires. Ok, volontiers, oui, rapportez-moi du pognon, merci, avec plaisir, voilà. C'est bien, hein, c'est très très bien. Un nouvel héritier. Ouais. C'est compliqué à assiéger Nidaros, ça me surprend que peu, honnêtement. Ouais, ils ont 1066, hein, ça va être roche. Ça devrait passer, quand même. Il a usurpé un truc, lui. Je pense que Sam, il a usurpé un truc. J'imagine qu'il a usurpé un truc qui faisait déjà partie de mon royaume. C'est pas très très grave pour le moment. Ce qu'on veut par contre, c'est... qu'est-ce que je voulais voir? Ça c'est bon, ok, on va peut-être faire encore d'autres trucs après. Oui, mais la croisade des enfants, si je me souviens bien, Ribob, c'était un truc relativement historique, non? Je sais plus exactement en quoi ça consistait, mais il me semble qu'il y avait... parce que les croisades, il y a toujours les croisades qu'on connaît, qui sont les croisades des chefs d'État, et il y a les croisades populaires, hein, celles qui marchaient, quoi, en gros, jusque là-bas, qui prenaient pas le bateau, et puis qui faisaient des pogroms un peu tous les deux villages, c'était assez terrible, honnêtement. Et donc il y avait deux formes d'autorité, d'ailleurs, hein, une forme d'autorité très très mise en place, et puis une forme d'autorité un peu moins mise en place, qui était celle de la croisade populaire. Et la croisade des enfants, il me semble que c'est lié, ouais, voilà, un truc comme ça, mais c'est un peu lié à ça, quoi. C'est à la deuxième, ce deuxième type de croisade, me semble-t-il. Après, je sais pas vraiment en quoi ça consiste.